comparé. Ah, on dirait du ketchup. Mmh. Oh, c'est pas mal. Si vous savez ce que c'est, dites en commentaire. Ok les amis, c'est le soir. Il est à peu près 20h, 21h moins. J'ai envie d'enlever certains de mes produits qui sont ici. Parce que j'ai envie de me laver. I have to figure out what to wear. Bonjour, hier j'ai réussi à faire sortir la vidéo, je merci. Il était comme 2h, 2h quand la vidéo est sortie, mais voilà, you guys came through as usual, donc merci pour ça. Là, il faut que je trouve une puce, je suis en train d'aller chercher une puce, parce que à chaque fois que je sors d'un espace où il y a le wifi et de la maison, j'ai pas internet. Aujourd'hui, il est question d'aller à la plage, il faut à tout prix le wifi, parce que je suis pas sûre qu'à la plage, là-bas, il y a du wifi. Ça c'est un itch que j'ai pris. Les itch sont beaucoup plus propres ici là que les Yangon, j'ai la maison. Donc voilà, on y va. Dès que je rentre à la maison, je vais vous faire le tour de la maison parce que je vous ai promis ça. C'est vrai qu'il va falloir que je range avant de le faire, ça me fait chier. Mais c'est le prix à payer pour n'avoir pas fait ça hier dès que je suis arrivée. Donc à tout à l'heure. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive and get down dirty. You act like the bad guy. You want some love, you like when you feel like calling a midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. Ok, donc là, je suis au centre commercial. C'est un peu comme à Douala au niveau de Bali, là où il y a Super Uya qui habite. Mais c'est encore plus grand ici. Je pense que je vous ai montré quelques images. C'est encore plus grand et encore plus stylé, je trouve. Donc il y a un endroit où on vend burger, pizza, shawarma, les petits trucs là. Ça s'appelle Foodly, comme vous pouvez voir là-bas en haut. I think. Ouais. Et puis ils ont un espace ici comme ça où tu peux t'asseoir et manger posément et tout. Et puis chez Capi là-bas j'ai pris un maillot de bain qui est super cool. Je trouve que j'aurais très bien pu porter ça directement au lieu de mettre ça. Et c'est une belle couleur. Trop cute. Trop cute. Donc voilà. Donc après ça, ce sera soit le musée, soit la plage juste. Et j'ai pris des biscuits au chocolat pour... Depuis le matin, j'ai rien mangé en vrai. J'ai rien mangé depuis le matin en vrai et j'ai pas vraiment faim. Vous vous souvenez, hier j'avais mal au ventre. Donc j'ai pris ça pour pouvoir manger parce que normalement, je suis censée manger à la plage. Ouais, parce qu'il y a les restos là-bas où on fait des jus de fruits. Normalement, je suis censée manger à la plage. Donc j'ai pris ça pour pouvoir grignoter vite fait là-bas à 1200 chez Super. Et une fois à la plage, je vais essayer de commander quelque chose. Par contre, je sais pas pourquoi, mais mes lèvres se fendent. Donc mes lèvres sont constamment sèches. Hier, je pensais que c'était parce que j'étais déshydratée, due à la diarrhée. Mais malgré tout,
ce matin, c'était quand même très 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 tranquille. Et voilà. Donc voilà, on se dit à tout à l'heure. Ok, du coup, attendez, je vais mettre les lunettes. Du coup, je suis venue au musée vite fait. Je ne sais pas trop comment le musée s'appelle, mais bon, bref, c'est le musée de Dakar. Et il y a plein de trucs intéressants. Je pense que j'ai essayé de vous montrer. Voilà, les autres aussi ont mal aux pieds. J'ai mal aux pieds, gars. Voilà comment je me suis habillée. De toute façon, c'est comme je vous disais, si vous voulez voir tous mes outfits, je crois que j'ai filmé tous mes outfits. C'est sur Instagram. Venez sur Instagram pour voir tous les outfits. D'accord? Donc là, je vais aller à la plage, je vais manger là-bas. Depuis le matin, tout ce que j'ai mangé, c'est des biscuits. Ça n'a aucun sens. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas faim. Anyway, donc, c'était ça pour ça, l'update. C'est très beau, hein. Franchement, je trouve que Dakar, c'est une belle ville. Finalement, c'est une très belle ville. Il y a plein de beaux trucs. So far, moi, je pense que c'est plus beau que Douala et Yaoundé. So far, je dirais ça. Non, tu n'es pas vilaine du tout. Et toi, tu as dit c'est qui? C'est mon père. Ah, d'accord, ok. Enchanté. Ça va? Oui. Bonjour. Bien, ça va, merci. Comment ça va? Ça va bien, merci. Là, je suis venue à la plage de Yoff. L'eau est super belle. Super, super, super belle. Mais ça ressemble pas trop à ce à quoi je m'attendais. Moi, je voulais bien une plage un peu avec comme un resto sur la plage et tout, tu vois. Mais apparemment, ici, là, c'est la meilleure option. Ils disent que c'est sécurisé. Et l'eau est propre, hein. L'eau est vraiment super bleue. Franchement, j'adore. Ici, là, quand tu viens, il y a des tentes comme ça. Je sais même pas si vous pouvez voir. Ouais, il y a des tentes comme ça, tu vois. Il y a des tentes comme ça et puis sous les tentes ils te mettent un transat comme ce que je vous ai montré là. Je vais me changer, je vais voir si je peux faire du contenu, si je peux faire des photos et tout. Donc voilà, mais par contre le maillot de bain que j'ai pris, il est orange, il est super beau, mille fois beau que celui que j'avais prévu qui est là. Donc voilà. Non, juste les vidéos. Pour ça, on dit Dakar, Ndiaye, Dougenete, Birgé. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Le grand baobab du Sénégal. Vous êtes magnifique. Merci, vous aussi. Ouais. Donc, moi, je suis en train de quitter la plage de Yoff. En fait, c'est pas mal comme plage. Ils louent le transat à 3500 ici. Un transat. Ils disent que normalement, ils louent aussi la tente, mais ils ont décidé de laisser comme ça. Donc, c'est 3500 un transat. Et le jus, c'est 1500. Donc là, j'ai faim. Il faut que je trouve un endroit où manger. J'ai envie de manger le poisson braisé. Donc, let's go! Hey guys! Alors, on est au restaurant La Marée. C'est franchement beau. C'est un endroit comme ça que je voulais à tout prix visiter aujourd'hui. Il y a l'eau là, il y a la mer. Franchement, super cosy, super paisible. Franchement, j'adore. J'espère que la nourriture sera bonne aussi. Il y a beaucoup d'expatriés ici qui viennent manger. J'espère vraiment que d'un, ça ne met pas long. Deux, c'est bon. En fait, voilà mes deux attentes.
Anaïs, bonjour. Alors, je suis en train d'aller retrouver les filles au Kotao Café. Kotao Coffee, c'est au plateau. C'est relativement loin de moi. Okay. Quand j'ai regardé sur l'application, c'était à 40 minutes de moi. Mais bon, j'espère qu'il y aura pas les embouteillages et que ça va vite passer. Donc c'est ça, tout à l'heure, il y aura Audrey Charlène, votre go sucré. Il y aura aussi Hilary, une très 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 bonne abonnée et amie. Donc c'est ça, on se dit à tout à l'heure. Je vais vous montrer mon outfit. J'ai l'impression que j'arrive à faire un maquillage léger. J'ai essayé de faire un maquillage léger, j'ai pas réussi. Donc voilà, let's go. Love it how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. She just wanna highlight. Hello guys, ici c'est la go sucrée. Je vous ai manqué. Bon, make a check. C'est trop beau, magnifique. Loving the way you move around me. No more delay. No, you can wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can find no. On est au Kotao Café. Ils ont les formules brunch ici là. On attend, on a déjà commandé. Franchement, c'est super beau par ici. C'est vrai que j'ai pas encore vraiment brûlé les alentours. Mais ouais, je trouve que c'est beau, c'est propre. Alors, je suis un peu comme tout le les abonnés de Paris, j'espère que vous allez bien. Ici Hilary, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager parce que Paris c'est la meilleure en fait, la meilleure. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, partager à toutes vos communautés afin que notre belle famille s'agrandisse. Bisous, je vous aime, bisous. Loving the way. Loving the way you move around me. The body don't wait. The body don't wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can find no flaws, you perfect. Hey guys, bonsoir. Je suis rentrée, je vous ai même pas montré mon outfit. En gros c'était ça, ça là comme ça. Avec ce petit sac. Comme ça, franchement le sac il est super pratique. S'il était juste un peu plus grand, ça aurait été le sac parfait. Donc here we go. Voilà le look que j'avais. Ça c'est le pantalon que j'ai eu chez Suzy Boutique. J'ai mis le micro ici parce que je trouve que le haut est très proche. Ok, je pense que là ce sera correct. Donc voilà ce qu'on a. Franchement le spot super beau, super joli. Donc il y a Hilary qui est venue comme vous avez vu et tout. Bref, franchement vous avez tout vu. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai envie de débriefer. Là la bouffe était bonne. J'ai aimé la bouffe. C'est vrai que Hilary disait que la dernière fois qu'elle est allée là-bas, elle n'a pas trop aimé la bouffe, mais finalement, c'était bon. Elle a trouvé ça bon aussi. Donc, je viens là pour faire le house tour parce que je n'ai pas pu faire le house tour depuis que je suis ici. Et comment vous dire qu'il y a du désordre partout? Franchement, je crois que c'est la dernière fois que je m'installe avant de faire le house tour. Je ne sais pas si la stabilisation sera on point. Attendez, je vais mettre la stabilisation active. Et donc là, j'ai mis la stabilisation active. Normalement, vous avez mon visage un peu plus proche de vous, mais l'image doit être un peu plus stable. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Ok. Quand tu entres, tu es là. De ce côté-ci, on a ça. On a un canapé, deux canapés. Comparé au précédent appartement, je dirais que les canapés s'y sont beaucoup moins confortables. Voilà, donc on a ce petit coin-ci qui est super beau. Franchement, il y a un peu de désordre et vous allez excuser. Donc on a ça comme ça là. On a cette table aussi, je trouve ça cool. Et puis on a cet autre coin ici avec une grande plante. Et on a ces miroirs là. On a un rideau ici qui donne sur une fenêtre, qui donne à l'extérieur de la maison. Ensuite on a la console, télé. On a cette déco aussi. Franchement ça là, je trouve ça super top. C'est un truc que n'importe qui peut faire chez lui. Je trouve ça très bien comme ça. Quand tu regardes à ta gauche, tu as ce coin-ci. Franchement, c'est mon coin favori. En tout cas, tous les coins ici, là, me plaisent. Donc, voilà à quoi ça ressemble. On a une table. On a quatre chaises. Le plan de travail. Le four et la cuisinière. Le frigo ici. La machine à laver. Et quand tu te recules un peu plus, voilà la vue que tu as. Voilà. Donc, voilà, il y a la clim là-bas. Ça, c'est le frigo.
Tu as une grande baie vitrée ici, le cadès. Massive. Tu as les lumières ici que j'adore totalement. Franchement, les lumières là, sur les escaliers là, totalement fun. Donc voilà la vue d'ensemble à ce niveau-ci. Quand tu es là, tu as la porte d'entrée là-bas, tu as les canapés là-bas, tu as la salle à manger ici, tu as les escaliers. Alright? Let's go. Upstairs. Là, tu as encore une grosse baie vitrée là-bas. Tu as deux tableaux. Dès que tu montes les escaliers comme ça, tu es dans la chambre. Et puis, on va faire comme on peut. Hein. Bon, je vous montre déjà comme ça. Un lit, deux places et demie ou trois places. On a un tableau là-bas. Ensuite, là-bas, on a une très, très, très grande... Attendez. Très, 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 très grande fenêtre qui vient d'ici, là. Un, deux, trois, quatre, cinq. Environ six pas. Faire tout le long de la fenêtre. Franchement, tout ce que j'aime. On a une chaise, une table. Et puis, on a de la déco ici. La clim est ici. Franchement, j'espère que ça ne bouge pas trop. Je suis fatiguée, là. Voilà la chaise. Voilà la table. Le petit tapis. Le lit n'est pas très bien fait. Flemme. On a une petite table, là. Le tableau est là. On a une petite table, là aussi. Voilà. Ça, c'est la porte de la chambre. Dès que tu viens comme ça. Tu as la télé là-bas. Tu as une console qui est vraiment trop belle. Voilà. Et juste au-dessus, tu as la télé. Et quand tu viens, tu entres ici, tu as le dressing qui est là. Voilà la valise. Voilà mes chaussures. Ici, il y a deux tiroirs. Voilà quelques affaires à moi. Tu as de quoi cintrer ici. Tu as de quoi cintrer ici. Tu as de quoi plier ici, which is cool. Et là, tu as la salle de bain. Bon, ça, c'est mon maquillage. J'ai pas rangé depuis tout à l'heure. Flemme, honnêtement. Grosse, grosse flemme. Je courais quand je me maquillais tout à l'heure. Donc, voilà. On a un double sink. Et puis, on a ça. Je suis là. Hey, guys. Ensuite, c'est grand, hein. Franchement, c'est super grand. Tu as... le shower ici que tu peux définitivement fermer. Donc voilà la cabine, à quoi ça ressemble. Donc c'est ça, je voulais à tout prix vous montrer ici parce que j'ai pas pu vous montrer là-bas de l'autre côté. J'ai essayé de faire les inserts. La chambre était trop désordonnée, j'ai pas filmé. Je me disais que ok, je vais prendre le temps, dès que j'ai un peu de force, je vais filmer la chambre comme ça, je vais faire les inserts pendant que je vous fais visiter. Mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et puis, j'ai dû changer. Donc, c'est ça pour ça. Franchement, je trouve ça trop cool, trop cute. OK, le seul bémol, c'est que la salle de bain est dans la chambre. Je vois. Donc, si quelqu'un vient ici, tu dois faire monter la personne. La personne va à ta chambre, ton dressing, avant d'aller dans tes toilettes. C'est le seul bémol. Mais à part ça, franchement, je trouve ça cosy, cute, tout ce que tu veux. Donc, c'est ça pour ça. Je vais me reposer un peu ce soir. Je vais aller au Pullman. Donc c'est ça, je vais me reposer un peu et puis je vais probablement me remaquiller parce que je me sens un peu crasseuse. A tout à l'heure. Là, je dois m'apprêter pour aller au Pullman. Par contre, j'ai pas envie de changer le make-up. Je vais rester, je vais garder mon make-up, je vais juste retoucher et je vais me laver. On commence déjà par relever ses cheveux. Donc pour aller au Pullman, j'ai envie de mettre la robe blanche que j'ai eue moignée sous cela, cette robe-ci. Mais la vérité, c'est que, en réalité, j'aurais aimé être un peu plus casual. Et je suis obligée de mettre les talons. Je pensais à ça. Et un sac blanc. Mais j'ai peur que ça fasse too much, surtout sachant que je suis un peu fatiguée. J'ai pas vraiment, vraiment, vraiment envie de dress up, en vrai de vrai. C'est vrai que j'ai un pantalon. Vous savez quoi? Je vais d'abord aller me laver, me rincer. Enfin, me laver. Sans laver mon maquillage. Je vais retaper mon make-up. Et puis, je vois. Je suis un peu fatiguée. La journée d'aujourd'hui était plus épuisante que ce que je ne pensais. Déjà que c'était super, super loin d'où je suis. Et voilà. Bref. On va se laver et on verra quoi. Ok, guys. Donc, voici la robe que je porte. There we go. Avec cette chaussure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais mettre un sac blanc.
And there you have it. En fait, je réalise que la sortie de tout à l'heure m'a fatiguée plus que ce que je ne pensais. Du coup, j'ai décidé d'aller ailleurs. Il y a un restaurant là qui s'appelle le C. Et puis je me sens un peu ballonnée en vrai de vrai. Je me sens un peu ballonnée. Commencer à mettre les robes moulantes et les talons là. Vraiment flemme. Ok. Donc, changement de programme. Ça va être une petite sortie casual chic. Donc, je me suis habillée en noir, noir. J'ai mis les sandales. Et je vais prendre un petit sac qui fait un peu classe. Et ce sera ça. J'ai juste remis la poudre Huda Beauty sur mon visage. Et je trouve ça parfait. Perfect. Huda, cherche-moi. Parce que cette poudre, je ne sais pas comment j'ai fait pour être dans autant dans le noir pendant autant de temps. Paso a paso, baby, lo que paso. Es que dejé de hacerte caso. Ya superé este atraso. Y de momento empecé a conocerme. Todo esto es sinceramente raro. Que ya no estamos enamorados. Pero óyame pa' que estemos bien claros. Yo ya no tengo... Hey guys, bonjour. Je devais aller à l'île de Gorée aujourd'hui, mais apparemment, on aura la décision des élections aujourd'hui, ici au Sénégal, et il risque d'avoir des émeutes. Donc, j'ai préféré ne pas prendre de risques et rester. Surtout que je me sens un peu lourde et tout, et puis j'ai du contenu à faire et tout. Je me suis dit, ok, c'est préférable que je reste et que je fasse mon contenu. Je trouve ma mise en beauté trop cute. Il faut que je mette le gloss. Juste un peu de gloss. Right here. Ouais, c'est ok. Donc j'ai envie de filmer. Vu que hier quand je sortais en fait, j'étais hyper pressée. Ça fait que je n'ai pas filmé mon outfit. L'outfit que je portais hier là, je n'ai pas fait un reel parce que j'ai envie de faire un reel en mode je m'habille puis je sors. Donc tout un reel complet quoi. Je m'habille, je sors, je retrouve les filles et puis on papote. Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc style get ready with me vlog en fait, mais un truc de 15 secondes, 30 secondes, vite fait. Donc c'est ça que je suis en train de vouloir faire, j'ai descendu tout les trucs, j'ai envie d'utiliser cet angle là. Mais j'ai peur que ce ne soit pas assez éclairé, tu vois. J'ai peur que ce ne soit pas assez éclairé, donc j'hésite à descendre avec la lumière pour mettre ça, pour que ça éclaire juste l'arrière-plan. Moi je vais me mettre quelque part ici. Moi je vais me mettre quelque part ici là, comme ça, tu vois. Et je pense que je vais mettre la lampe là-bas pour que ça éclaire le fond là. Et pour faire genre, je vais peut-être mettre une vidéo à moi sur... Non, ça se verra même pas. Je suis même pas sûre que l'écran, la télé se verra. Vu que ce sera en mode vertical. Mais dans tous les cas, c'est ça la vision. Je vais descendre avec la lampe et puis je vois ce que ça donne. Et aussi une chose super super importante que j'ai oublié de vous dire. C'est que j'ai ma plaque en fait. J'ai ma plaque. Donc il y avait quelqu'un qui venait ici à Dakar. Et j'ai demandé, vu que j'ai fait livrer ma plaque en France, initialement au Luxembourg. Bref, c'est un peu long, mais en gros, quelqu'un est venu ici avec. Tu vois, en gros, c'est ça, quelqu'un est venu ici avec et je suis super, super, super contente. J'ai pas ouvert ça depuis que j'ai pris ça. J'ai pris ça le premier jour où je suis arrivée ici et j'ai pas encore ouvert. Seulement parce que je veux ouvrir quand nous sommes ensemble. Et je veux en même temps faire un reel aussi pour vous poster sur Instagram et sur Shorts. Tu vois, donc attendez, je vous montre quand même le carton. À quoi ça ressemble? Donc, c'est ça ici. Normalement, il y a le truc de YouTube ici. Mais vu que ça a été envoyé plusieurs fois à plusieurs personnes, YouTube a d'abord envoyé à quelqu'un. Après, la personne a envoyé à une autre personne. Bref. Mais sinon, c'est ça ici. Super contente, super heureuse. Franchement, vous n'avez même pas idée à quel point je suis heureuse d'avoir ce truc entre les mains. Like. Bref, j'espère que le reel que je vais faire ou le short que je vais faire pourra traduire mon état d'esprit. Parce que j'ai essayé un peu de matérialiser ça dans la vidéo que je suis en train de créer pour présenter ceci. Normalement, c'est censé sortir tout à l'heure, là, avant le soir. Parce que le soir, il y a une vidéo gommage qui doit sortir. Parce que le soir, il y a une vidéo gommage qui doit sortir. C'est censé sortir avant le soir. Donc, j'espère vraiment... Voilà. On ne va pas devenir émotionnel ici, ok? Donc, je m'en vais prendre la lumière et puis je vois comment je gère le setup. Ou alors, j'allume simplement. Attendez. Je vais mettre toutes les lumières qu'il y a ici. Ouais. Je crois que c'est mieux. Ouais, on va faire ça comme ça. Pas besoin de mettre là. On va faire ça comme ça. Je crois que c'est assez éclairé là comme ça. Ouais.
C'est bon, je crois que c'est bon. Je vais juste m'habiller maintenant, terminer et puis voilà. Ok guys, bon, le moment est enfin arrivé. On va défaire la plaque. Bon, je vais aussi faire un reel. Donc je vais installer mon téléphone ici. J'espère vraiment que le micro, s'il ne vous dérange pas trop. J'ai pas envie de parler fort. Oh my god. J'en reviens pas. J'en reviens sincèrement pas que je suis sur le point. Sur le point. Sur le point. De déballer ma plaque, quoi. Enfin, le travail de toute une vie. Je vais poser mon trépied ici. Que je nettoie bien. Waouh. J'en reviens pas. Like, I can't believe. I can't believe. Waouh. Oh, j'en reviens pas. Waouh. Waouh. Je vois si que ça tourne. Waouh. Oh my god. Ok. Ok. On va se calmer. Oh my god. Franchement, merci infiniment. Notre plaque est arrivée en retard. L'engouement et l'excitation des 100 000 abonnés est déjà quand même un peu tombée. Mais ça fait quand même quelque chose de voir ce trophée-là, d'avoir ce trophée-là entre les mains et tout. Ça fait quand même quelque chose. Donc, merci à vous tous. Franchement, merci infiniment à vous tous qui êtes là. Voilà, merci. J'ai juste fait comme une journée contenue finalement. J'ai faim. J'ai envie de prendre la glace. C'est fabriqué localement. Et c'est bon, freeze gold. C'est pas mal vraiment, c'est pas le top du top, mais c'est pas mal. C'est fabriqué ici, d'après ce que je vois. Made in Sénégal. Et je suis aussi en train de finir le reste du tiède. Ne me jugez pas. Don't judge me. Je vais terminer le montage et je vais poster directement la vidéo. Maman, les amis, j'ai oublié de vous raconter comment ça s'est passé hier. Alors hier, je suis passée dans un premier restaurant qui s'appelle le Séoul 2. Okay? Il y a le Séoul 2. C'est un chauffeur qui m'avait recommandé le bar là. Comme j'avais, je vous ai montré ce que je portais là. Je portais la petite culotte. Et dès que j'arrive devant, ils disent que les femmes n'entrent pas avec les petites culottes là-bas. Donc, du coup, je suis partie à un autre bar. Toujours que le même chauffeur là m'avait suggéré, ça s'appelle le Bazouf. Bref, quelque chose comme ça. Et là-bas alors, c'est un endroit vraiment très très... C'est pas très très high, je vous dis, c'est genre, c'est juste là comme ça là. Et puis j'ai mangé, je vais vous mettre les photos, j'ai mangé le poulet DG, porc DG, voilà, c'est comme le poulet DG qu'on fait. Mais avec le porc, là c'était bon, mais je trouve que c'était cher pour ce que c'était, déjà pour la quantité, je trouve que c'était cher. Et pour le cadre aussi, like 7000 ce plat, 7000, bref. Et puis j'ai bu le mojito par contre j'ai beaucoup aimé, c'est parce que c'était trop sucré. Moi vraiment, quand quelque chose est sucré, d'entrée de jeu, mon jugement est biaisé, donc... Donc j'ai mangé le mojito enfin j'ai bu le mojito, j'ai mangé le porc DG et c'était ça. Donc c'était juste pour vous dire ça, là il est 17h, en fait moi je fonctionne avec l'heure du Cameroun. Je fonctionne avec l'heure du Cameroun parce que vu que je poste les vidéos, je connais déjà les heures auxquelles je poste les vidéos, c'est généralement les heures camerounaises. Je dis je me base sur l'heure du Cameroun pour poster. Donc je fonctionne avec l'heure camerounaise,
en fait. Là, il est 16h57, mais c'est l'heure du Cameroun, donc ici, il est 15h57. Anyway, en tout cas, on verra. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, juste pour vous updater. Voilà, je pense que l'importance aussi de faire le vlog, c'est de vous parler des coins. Mais la bouffe était bonne, ok? La bouffe était bonne, c'est la meilleure bouffe que j'ai mangée depuis que je suis ici. Je dis, étant dehors, franchement, la bouffe était bonne, mais le cadre... Le prix, rapport qualité, je veux dire qualité du cadre et prix de la bouffe. Non. Donc, c'est ça. Et pour le brunch, je ne sais même pas si je vous ai briefé par rapport au brunch d'hier là. C'était au Kotao. Donc, ils ont les petits packs. Ça veut dire qu'ils te font une liste de choses qu'ils vont te donner et il y a le prix. Donc, moi, j'ai pris le plat que vous avez vu là. Il y avait un plat avec, bref, tout ce que vous avez vu là, je ne sais pas expliquer. Avec deux boissons, un café latte et un smoothie. Moi, j'ai pris un smoothie style cocktail et tout. Et tout ça, là, ça faisait 12 000. Donc, ils appellent ça le brunch. Mais en gros, ils t'apportent tout ça là sur ta table, dans ton assiette et tout. Ils appellent ça le brunch. C'était bon. OK, j'ai aimé tout ce que j'ai mangé là. C'était bon. Et en même temps, c'était aussi rien de sérieux, quoi. C'était les crudités, c'était les petits trucs vite fait et tout. C'était pas vraiment la bouffe préparée. Mais voilà, c'était bon. Voilà. Je retourne à mon travail. Hey, guys. Bonjour. Je suis en train d'aller à l'île de Corée. La fameuse huile, je vous l'ai dit, huile de Gorée. La fameuse huile de Gorée. Comme toujours, c'est speed, c'est ultra speed. J'ai fait le make-up habituel. Franchement, ce make-up est super efficace. Super, super efficace. On adore. Donc voilà. À tout à l'heure. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Là où on prend le bateau pour Corée, il y a plein de vols, vraiment il y a plein de vols. Par contre, si vous venez ici, vous pouvez venir avec vos passeports et tout, parce que moi j'ai pas apporté ça, parce que j'ai peur de perdre. En fait, on m'a mis la peur de perdre mes pièces d'identité, voilà. Donc, du coup, j'ai laissé. Donc, c'est important à l'entrée pour pouvoir payer, il faut que tu rentres ça avant d'entrer dans les. Dans l'enceinte et il y a plein de monde, si bien que les départs ne sont même plus respectés en fait, parce que normalement si tu vas sur internet tu vas voir les départs, c'est les horaires, mais il y a tellement de monde que les horaires ne peuvent pas être respectés, donc on va seulement attendre que ce soit possible en fait. Donc c'est ça, je suis assise dans un resto, c'est un resto style, mais c'est vraiment beau, je vais vous montrer avec le téléphone, c'est vraiment joli. Il y a l'air qui passe, tu peux voir les bateaux là-bas, la mer. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Ok, donc j'ai commandé ça. Ok. Et la salade de fruits. La salade de fruits, ça va. La salade de fruits, la salade de fruits, c'est ça là, ils vendent 4 pièces à 4 000, tu vois. Sauf que elle a ramené ça et j'ai pas aimé. En fait, je comprends pas de quoi c'est fait. Je trouve ça en place pas trop bien. Après, quand je vais demander, faire en place avec les cakes, hein. C'est les cakes classiques, c'est ça que c'est bon. Il y a la couleur dessus. Quand même, c'est mieux, c'est mieux que cela, c'est très sucré, ça va. Ok les amis, ça sert à rien, enfin ça sert, mais gars, je suis fatiguée, sincèrement je suis fatiguée, c'est trop long, le bateau n'est pas là. Quand on part là maintenant là. Oui, très bien, merci. Oui, oui. Ah bon? Ah ah. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Hear the crickets, see the moon. Side by side and through
do what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Mais la valeur d'un homme dépend de sa musculature. Et le poids minimum est fixé à 60 kg. Et moins de 100 kg, il y a une cellule marquée d'identité temporaire. Là, il est maintenant en train de les engraisser comme des animaux. Il est corrompu par l'alcool de la papouquie. Quand on venait sur la mer, il y avait un quai. Un quai en bois de rognier qui servait d'embarcadère. Ces bateaux ne pouvaient pas s'approcher. Mais au moment des embarquements, c'était voulu s'évader. Du désert du Sahel, la zone sahélienne chez Moula. Le Ténéré, c'est là où passaient les rallyes Paris-Dakar à l'époque. Le Lumpur, au nord du Sénégal. Les sables de l'île de Gorée, le sable local celui-là. Il y a les mines de fer de Guelve en Mauritanie, à Zouméra, les sables ferreux de la Mauritanie. Et enfin le noir, le sable volcanique, le volcan de Mamel. La Mamel, c'est là où se trouve le monument de la Renaissance à Dakar. La côte, c'est la sève de Baobab, mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. C'est la partie la plus importante, là il passe du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Là, il faut bien regarder, c'est un peu comme la magie. Donc cette technique, elle vient de l'école des Beaux-Arts de Dakar. L'école, c'était pour faire la promotion de l'art africain. On va voir si c'est beau, s'il mérite des applaudissements, on va le faire. Hein. Oh! Oh, wow! Oh, waouh, waouh, c'est beau. Ah, magnifique. C'est le résultat final. Waouh. C'est pas la magie. Hein. Franchement, le tour là, c'était quelque chose. C'était quand même fatigant, mais c'était intéressant finalement. Et les endroits sont beaux, hein. C'est beau, hein? Donc là, je suis venue manger. Je suis arrêtée à la boutique. J'ai acheté quelques robes là. En vrai, de vrai, c'est les robes que tu trouves facilement à Douala et tout. Mais bon, j'ai acheté ça ici parce que bon, c'est toujours mieux que d'aller au marché, je pense. Donc j'ai acheté ça ici. Voilà. Step back, constantly online, causing me setbacks. Ooh. Every day, see so many people doing the things you do, and they're doing it better too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, but makes it look easy? Why would they need me? Oh, I hear it now. I'm just being needy. I try. Better than me. I try not to hate.
Hey guys, bonjour. Aujourd'hui, je ne peux pas filmer. Hier, j'ai pas pu filmer la revue du bachelor. Après l'île de Gorée, j'étais fatiguée. Bien fatiguée. Bien marché là-bas. Mais, en tout cas, bien. On va manger le mafé. Franchement, le mafé, je ne sais pas si c'est le mafé là. Mais, rien d'exceptionnel, pas de plus. Et j'ai eu l'impression que l'arachide a été un peu brûlée. Je sais pas si c'est comme ça que ça se fait. C'était bof quoi. Maintenant, l'île est très belle. Les fleurs, les constructions, l'histoire aussi et tout. Moi, je trouvais ça intéressant. Mais c'était trop stressant parce que, vous avez vu, à un moment donné, j'ai voulu rentrer. Le bateau avait un problème. Ça traînait. Moi, je voulais rentrer. Mais au moment où j'étais en train de me parasumer, c'est là qu'on annonçait que le bateau est en train d'arriver, que la situation a été gérée et tout. Moi, ce que j'ai plus aimé, c'est la balade en bateau en plein air là. C'était top. Heureusement que le guide nous avait dit que les gens qui veulent avoir une meilleure vue se mettent en haut. C'était bien. Mais fatigant quand même. Je vais manger, je vais filmer, je vais peut-être sortir. Avant-hier, j'étais au Séoul 2. On connaît pas le nom du quartier. Et c'est là-bas que j'ai acheté le poulet ici. Si tu veux le poulet bien grillé ou le porc, parce que j'ai mangé le porc là-bas sur place. J'ai déjà pris le poulet à emporter. Pas bien assaisonné, mais c'est sec. Et ici, bon, là-bas, ils ne mettent pas de sauce, ils ne mettent pas de mayonnaise. Donc là, j'étais obligée d'aller acheter la mayonnaise ici à la boutique pour pouvoir manger avec parce qu'ils n'ont pas de mayonnaise là-bas. C'est seulement la moutarde et un piment sec là. Ok, j'ai fini de filmer. Là, je me suis habillée. Je vais au Boma Hotel. Here is the fit. Petit top, petite jupe, Converse, petit sac, petit brushing, make-up. Et voilà. But you always do it better than me. I just wanna be loved like you. I just want them to see me too. Just wanna be the one they choose. Yeah, I just wanna be. Je suis venue normalement pour le Sip and Paint. Sip and Paint, je pense qu'on fait aussi ça même à Douala. Et puis malheureusement c'est à 17h. Et là il est 16h30. Non, il est pas 16h30, il est 15h30. Parce que moi j'ai l'heure du travail. Il est 15h30. Entre temps, je vais peut-être prendre soit un dessert, soit un truc à manger. Donc, finalement, j'ai changé d'avis. La peinture, c'est dans une heure. J'ai mangé un gros burger que vous avez vu et j'ai pas envie d'attendre. Donc, je vais aller me reposer et ce sera ça. Let's go! Le taxi a traversé. Il a traversé l'entrée de l'hôtel. Ah, comment Dakar est propre? Dakar est propre, d'ailleurs.